jour de la fête nationale en France? A, le 14 juin. Ouais. B, le 14 juillet. C, le 14 août. Tu as trois choix. Je prends le... A. A, 14 juin? Non, attends. Non. Attends. B. B, 14 juillet. T'es sûr? T'es sûr de toi? Eh bien, c'est une bonne réponse. Quelle joueuse française détient le record du nombre de matchs disputés en Champions League? Ok. A, Eugénie Le Sommer. Mm-hmm. B, Camille Abili. C, Wendy Renard. Je pense à A. Le plus grand record du nombre de matchs. A. A, Eugénie Le Sommer, plus de matchs? Oui. Ouais. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah, oh, non. C'était Wendy Renard. Ah, ok. Ouais. L'escargot est une spécialité française, mais de quoi s'agit-il? A, frog's legs, snails, or C, a slow cooked stew. Je sais pas comment ça. C'est B, c'est B? Snails. Yeah. Bonne réponse. Ouais, merci. T'as mangé? J'aime pas, moi. Ouais. Moi, j'aime pas l'escargot. T'as déjà goûté, toi? Non, j'ai pas essayé. Mais tu veux essayer? Je vais essayer. Okay. Ouais, bien sûr, une fois, mais... Au moins une fois. Question 4. Ok. Quelle est la deuxième plus grande ville de France? A, Lyon. B, Marseille. C, Bordeaux. La deuxième plus grande ville de France. Marseille, je pense. Marseille? Bonne réponse. C'était pas mal. C'est pas... C'est pas... Ok, ok, ok. Je pense pas. Question 5. Combien de pays ont une frontière commune avec la France? Ok. Y compris Monaco. Tu connais Monaco? Oui. 6, 7 ou 8 frontières communes avec la France? Ça, là, oui, c'est bien. Suisse, Espagne, Belgique, mm-hmm. Allemande, mm-hmm. Monaco, autre, Autriche peut-être? Non. 6, je pense. 6? Ouais. C'est mauvaise réponse. Oh. 8. 8? 8. C'est, que, c'est quoi l'autre? Une frontière commune avec la France. Belgique. Suisse, Belgique. Espagne. Espagne. Allemagne. Allemagne. Italie. Ah, Italie. C'est vrai, Italie. Question 6. À quelle gare de Paris l'Eurostar arrive-t-il? C'est facile. Gare du Nord, gare de l'Est ou gare d'Austerlitz? Gare du Nord. Ouais, ça c'est facile. Bien joué. Quel musée parisien abrite la Joconde et la Vénus de Milo? Le Centre Pompidou, le Musée d'Orsay ou le Louvre? La Joconde. Tu connais la Joconde? Non. C'est quoi? Comment tu dis ça en anglais? Painting? Ouais. Ah, le Louvre. C'est une bonne réponse. J'étais là, toi? Hein? J'étais là, toi? De quoi j'étais là, toi? Le Louvre. Ouais. Tu étais? Oui, j'ai déjà été. Oui, oui, quand même. Quand la France a-t-elle accueilli la Coupe du monde de football féminin? Oui. Tu l'as joué en plus. Ouais. 2015, 2019 ou 2023? 19. Ça, c'est... Bah oui. Ça, c'est donné, ça. Ah. L'Espagne, située à la frontière franco-italienne, est le plus haut sommet d'Europe. Le Mont Blanc, le Cervin, la barre des écrins. C'est le Mont Blanc, non? Oui, c'est le Mont Blanc. Bonne réponse. Question 10, dernière. Où le Tour de France se termine-t-il chaque année? La Tour Eiffel, les Champs-Élysées ou la cathédrale Notre-Dame? Oh, je n'aime pas le vélo. Au moins, c'est clair. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées ou la cathédrale Notre-Dame? Champs-Élysées, je pense. Tu triches, toi. Enfin, non. Tu regardes pas ma feuille depuis tout à l'heure? Non, j'ai pas regardé rien du tout. Mais j'ai regardé comme réponse. Ça. Bravo. Deux mauvaises. Deux mauvaises. Ça huit veut points. Dire huit ouais, points. Tu connais beaucoup de choses, hein. Tu dois te...